Bienvenue sur cette présentation sur le BIM. On va y aller directement puisque le temps est assez limité pour un sujet aussi vaste. Donc tout d'abord le BIM, qu'est-ce que ça veut dire? L'acronyme, hein, Building Information Modeling, ou en français la modélisation des informations d'un ouvrage et non pas d'un bâtiment. Hein, ça englobe les bâtiments, mais également les infrastructures. L'important dans le BIM, c'est ce I, c'est les informations qu'on va véhiculer dans nos modèles. Donc, c'est la gestion de ces informations qu'on veut structurer. On les veut structurer pourquoi? Pour pouvoir les échanger entre tous les participants et pour pouvoir finalement les transmettre d'une phase à l'autre du cycle de vie. Ce BIM, on va l'utiliser dès les études préliminaires jusqu'à, on va dire, l'exploitation et l'entretien, où c'est là que ça va être le principal, on va dire, avantage du BIM, c'est durant ces phases d'exploitation et d'entretien. Qu'est-ce qui est contenu dans un modèle BIM? On a tout d'abord le modèle graphique, la 3D, la géométrie, c'est un assemblage d'éléments, d'objets qui vont composer cette géométrie en 3D. À l'heure actuelle, quand on parle d'un projet BIM, pour être honnête, c'est bien souvent cette 3D qu'on mentionne et pas grand-chose d'autre en termes d'informations. Mais dans un modèle BIM, on peut y ajouter la partie non graphique, c'est-à-dire les attributs, les propriétés ou des liens avec des bases de données qui sont liés avec ces objets géométriques, ces objets en 3D. Et puis la troisième partie de ce modèle d'information BIM, c'est la documentation. Ça peut être un manuel d'entretien, par exemple, qu'on irait également lier avec la géométrie ou avec une base de données. On va utiliser deux modèles d'information. Le premier, durant la conception et la construction, qui est composé principalement de géométrie et de peu, on va dire, d'éléments non géométriques. Et puis, un modèle d'information de l'actif qui serait utilisé pour l'exploitation et la maintenance, où là, par contre, on va un peu inverser les proportions avec beaucoup plus d'éléments non géométriques, beaucoup plus d'éléments texte plutôt que de la géométrie. Si j'ai un petit peu de temps à la fin, je vous ferai vite, rapidement, une petite démonstration sur ces modèles. Mais d'une manière générale, la géométrie, c'est ça, c'est cette 3D. C'est utile déjà pour la partie de la conception. Et puis, ces éléments, ces objets qui composent cette géométrie, eh bien, on va pouvoir les enrichir avec ce qu'on appelle l'alphanumérique ou des textes. Comme vous voyez ici sur la gauche, on va ajouter un peu, je dirais, il n'y a pas vraiment de limite sur ce qu'on peut ajouter, enrichir dans un modèle. Ici, pour un mur, on aurait, par exemple, toute la partie, tous les détails qui sont pour les calculs énergétiques. Donc, c'est quelque chose qui va bien avec les présentations, finalement, qu'on a eues pour le moment. Ce qu'il faut se rendre compte avec ce modèle BIM, c'est qu'il va progresser. On ne va pas commencer tout de suite dès les premières phases avec un modèle très détaillé. Donc, au fur et à mesure, la géométrie va, on va dire, se détailler. Et puis, on va avoir de plus en plus d'informations qui seront ajoutées dans ces modèles pour qu'on puisse les utiliser en fonction des différentes phases du cycle de vie. Quand on parle d'un BIM maintenant, au niveau des mandataires, au niveau des projets, on parle d'un BIM qu'on dit de niveau 2, c'est-à-dire un BIM de collaboration où chaque discipline va produire son propre modèle et puis on va les assembler. On va utiliser un modèle de coordination pour faire la détection, par exemple, des conflits qu'on pourrait avoir entre les différentes disciplines. Si on regarde un petit peu la gestion BIM, la gestion d'un projet BIM, eh bien, au départ, il faudrait commencer avec la définition des besoins. Cette définition des besoins, elle va se faire avec le maître de l'ouvrage, qu'on appelle ici organisation, et puis avec également l'exploitant de l'ouvrage. Donc, contrairement peut-être à ce qui se fait sur les projets habituels, on va faire intervenir les exploitants, les utilisateurs de l'ouvrage rapidement afin que et le maître de l'ouvrage et l'exploitant nous disent finalement quelles sont les informations, qu'est-ce qu'on doit mettre dans les modèles pour qu'ils puissent après les utiliser pour l'exploitation et la maintenance. En 3, on a un cahier des charges. Une fois qu'on a défini quelles sont les exigences, on va les placer dans un cahier des charges qu'on appelle en BIM exigence d'échange d'informations. Et puis, ce cahier des charges, on va le mettre avec appel d'offres. Pour répondre à ce cahier des charges, pour répondre avec l'offre, on a un plan d'exécution BIM de cahier des charges en 4 qui est en fait la réponse des mandataires ou des entreprises qui vont nous répondre comment ils vont réussir à répondre finalement à ce cahier des charges, à respecter ce cahier des charges. Une fois que l'adjudication est faite, avec les mandataires ou les entreprises, on va
finaliser, on va dire, un plan d'exécution BIM de mise en œuvre, où là, on va vraiment détailler très précisément quels sont les livrables qu'on va avoir, niveau de détail géométrique, niveau de détail en information qu'on va mettre finalement dans ces modèles. Ensuite, une fois qu'on a établi tout ça, on peut commencer à produire ce modèle d'information du projet qui va évoluer, bien évidemment, durant la conception et qui va après évaluer également durant l'exécution, la construction de l'ouvrage. À la fin de la construction, on a un transfert des informations. On ne va pas transférer tous les modèles qu'on a utilisés pour la conception, on ne va pas transférer ça pour l'exploitation là maintenant, ça serait beaucoup trop détaillé, ça n'aurait pas de sens. Donc, on va transférer une partie de ces informations dans un modèle d'information d'actifs, c'est-à-dire un modèle qu'on va utiliser pour l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage, avec l'idée peut-être un jour d'avoir une rénovation, un agrandissement et de pouvoir récupérer les éléments qui composent ce modèle et recommencer finalement le cycle de cette gestion de projet BIM. Le BIM, il vient avec des rôles, des responsabilités qui sont un peu nouvelles. Si on regarde en partant depuis le haut, le mandant, le maître de l'ouvrage, lui, a la responsabilité de définir les objectifs sur son projet. Le gestionnaire d'information va, à quelque part, l'aider pour transformer ses objectifs en exigences en termes d'information. Le gestionnaire BIM ou la gestionnaire BIM va de son côté déployer le BIM, c'est-à-dire mettre en place les processus afin qu'on puisse atteindre ces exigences qui ont été fixées. Et puis le coordinateur global va vérifier que les livrables correspondent bien à ce qui a été demandé. Et puis également créer un modèle de coordination entre les différents participants. À noter que chaque entreprise, chaque mandataire qui participe sur un projet BIM a un coordinateur BIM pour pouvoir participer dans les réunions de coordination. Bien sûr, d'ajouter des éléments, on va dire, dans les modèles relativement tôt, ça a une tendance un peu à déplacer, je dirais, la charge de travail un peu vers la planification plutôt que d'avoir une charge de travail qui est principalement axée durant l'exécution. Alors ça permet de détecter des conflits alors qu'ils sont encore que virtuels, où on a une marge de manœuvre qui est relativement grande et puis où le coût des modifications est relativement réduit. Le plan d'action suisse numérique, c'est quelque chose, ce n'est pas une loi, hein, c'est un plan d'action de la Confédération. Par contre, ce plan d'action, maintenant, impose pour les entreprises de la Confédération, donc CFF, Arma Suisse, les écoles polytechniques et l'OFCL, de mettre en place une méthodologie BIM sur leur projet dès 2021, donc maintenant, aujourd'hui. J'avais l'habitude dans mes présentations de toujours dire ce sera dans un futur proche, c'est demain, mais là, c'est plus demain, c'est littéralement aujourd'hui. Et on voit un gros développement, on voit une accélération du développement du BIM, justement à cause de ce plan d'action qui impose maintenant pour des maîtres d'ouvrage qui sont parmi les plus grands, si ce n'est les plus grands maîtres d'ouvrage qu'on a en Suisse, qui imposent le BIM pour leurs mandataires et les entreprises. Pour la partie infrastructure, on attendra un petit peu, ce sera plutôt 2025 qui est l'année qui est prévue pour l'obligation, on dira, de faire du BIM pour l'OFRU. Qui s'occupe du BIM en Suisse? On va avoir Bâtir Digital, tout d'abord, qui définit alors ce qu'on appelle les meilleures pratiques ou les méthodes de travail qu'on va avoir BIM. Ils sont là un petit peu aussi pour prémâcher un tout petit peu tout ce qui est des normes internationales et puis faire un condensé. Leurs documents sont vraiment très, très bons. Et puis, on a la SIA qui est l'organe de régulation qui nous fait les normes. La SIA est restée un petit peu je veux dire, en attente à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a une attente sur une norme européenne qui doit sortir normalement cette année. Puis il y aura certainement une adaptation de cette norme européenne qui sera faite par la SIA. Le CRB a un énorme travail à faire, c'est-à-dire qu'il doit lier ce BIM, lier le BIM et plus précisément l'Open BIM avec les standards, les classifications qu'on a en Suisse, c'est-à-dire CAN, CFC, ECCC. Et croyez-moi, c'est une charge de travail qui est vraiment importante. Ensuite, on a les maîtres d'ouvrage publics, qui, eux, vont définir pas mal de documents pour leurs membres et ils sont également très, très, très utiles. Les documents en matière digitale, ils sont
à télécharger gratuitement sur leur site. Il y en a 8 ou 9 qui sont maintenant disponibles en français et je vous les conseille vraiment. C'est des documents qui sont vraiment très bien faits. C'est beaucoup plus digeste que les normes à lire et c'est illustré et tout. C'est vraiment bien fait. À qui profite le BIM? Je dirais, à l'heure actuelle, paradoxalement, eh bien, les clients, les exploitants sont ceux qui profitent le moins du BIM. Pourquoi? Parce que la majorité des projets qu'on appelle BIM, on les fait en conception. Quelquefois, on va en exécution, c'est-à-dire sur le chantier, et quasiment jamais, on va jusqu'à la maintenance et l'exploitation. C'est-à-dire que les informations ne sont pas transmises finalement au client ou à l'exploitant. Et c'est dommage, puisque c'est là vraiment qu'on a le plus d'utilité, le plus d'avantages à faire du BIM. On voit des étapes d'évolution ici, hein, il y en a 4 pour le déploiement du BIM en Suisse, mais on voit, avant les couleurs vertes, on a encore énormément de travail. C'est une chose qu'il faut aussi accepter avec le BIM, c'est qu'on est en plein développement. Et puis, ben, ma foi, quand on est en plein développement, il n'y a pas tout qui est juste. Il y a peut-être des choses où on se lance dans quelque chose et puis il va falloir revenir un petit peu en arrière sur certains points. C'est quelque chose qu'il faut complètement accepter. On voit également au niveau de la formation qu'on n'est pas très, très loin et c'est bien dommage puisque nos écoles devraient réellement se concentrer sur former ou informer en tout cas les étudiants sur le BIM qui va représenter le futur de leur travail. L'Open BIM, on va avoir Sébastien qui va nous expliquer un peu plus ça en détail après avec vraiment un exemple pratique. C'est l'utilisation d'un format, on va dire, qui est neutre, qui n'appartient pas à un éditeur de logiciel. C'est actuellement la seule façon de garantir la pérennité des données tout au long du cycle de vie et même d'ici 50 ou 60 ans. C'est le seul moyen qu'on a actuellement de garantir que les informations qu'on produit finalement seront réutilisables dans un futur aussi lointain. Et puis, au-delà même d'un format, c'est surtout une structure d'information qui est très importante puisque ça veut dire que même si vous travaillez avec plusieurs mandataires qui utilisent plusieurs solutions logicielles différentes, eh bien, au bout du compte, vous allez récupérer une structure d'information qui est complètement similaire et que vous pourrez immédiatement utiliser. CAPEX, OPEX, comme je l'ai dit, le BIM, c'est surtout au niveau opérationnel, au niveau exploitation et maintenance, c'est là qu'on va avoir le plus d'avantages, c'est là qu'on va finalement gagner de l'argent. Par contre, les décisions bien souvent se prennent au niveau CAPEX, c'est-à-dire au niveau conception et construction de cet ouvrage. Quelques applications du BIM, sans les détailler, mais on peut voir que le BIM, c'est au niveau de la conception, au niveau de la construction, au niveau de la maintenance et également de l'exploitation. Quelques applications, la géométrie 3D, nous permet, par exemple, de détecter des conflits. On va pouvoir assembler des modèles et puis lancer des détections automatisées de conflits entre les différentes disciplines, ce qui nous permet de régler ces problèmes-là au niveau de la conception et non plus d'avoir ces surprises-là sur le chantier. Application du BIM 4D, la planification. On ajoute cette fois une donnée, une information, un attribut de temps aux objets pour pouvoir planifier, les lier avec un planning de chantier, par exemple. 5D, la même chose, mais cette fois, on va ajouter à notre 3D une information de coût, c'est-à-dire que cette fois, on va pouvoir lier ça avec des logiciels de gestion, par exemple, financière. La 6D, les informations d'exploitation et d'entretien, comme je l'ai mentionné. Et puis là, qui rentre bien dans les présentations qui sont faites aujourd'hui, avec des simulations en analyse énergétique. Tout ce qu'on voit à l'écran, en réalité, à un moment donné, il a fallu le mettre dans le modèle. C'est-à-dire que le modèle 3D, on le crée, et puis on va ajouter à quelque part des informations pour permettre ces simulations qu'on essaye de faire relativement tôt dans la conception et non pas dans les derniers jours alors qu'on n'a plus vraiment d'influence sur les performances énergétiques des différents bâtiments. Quelques idées du futur, le permis de construire en ligne, on y va, j'ai pas de date, je peux pas vous dire quand, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est là, à un moment donné, il va bien falloir qu'on dépose des permis de construire en utilisant des formats Open BIM, en utilisant des fichiers BIM qui contiennent un certain nombre d'informations qui permettent le traitement beaucoup plus facile, on va dire, de ces demandes de permis de construire. L'intelligence artificielle qui inquiète un peu
certains, qui portent mal son nom, à mon avis, parce que l'intelligence, elle réside vraiment dans la personne qui l'utilise, hein, l'intelligence artificielle, et ne remplacera jamais les différentes compétences qu'on peut avoir sur les métiers. La ville intelligente ou les bâtiments intelligents, et là, ça tombe bien avec ce qu'a présenté Sergi, et puis également avec ce que va présenter Sébastien juste après moi, où là, on a vraiment un besoin, on va dire, à l'heure actuelle, d'essais. Hein, on a besoin de ce laboratoire. Sergi parlait de laboratoire, de transfert de connaissances. C'est exactement ce que le BIM a besoin. Parce que si vous me demandez avec certitude combien vous allez économiser ou les résultats d'essais qui ont été faits, il y en a extrêmement peu. On part quand même sur pas mal de théoriques, hein, avec le BIM ou avec les avantages du BIM. Et on a absolument besoin de ce type de laboratoire en temps réel, finalement, où on peut essayer. Et puis, comme c'est l'EPFL qui le fait, ben, il y a ce transfert de connaissances avec la construction, l'industrie de la construction qui peut se faire. Et puis, on a réellement, à l'heure actuelle, un énorme besoin de ces informations sur le BIM. Une dernière chose, la certification professionnelle. Alors, en gros, ce que je vous ai expliqué en 10-12 minutes, là, ça va prendre 12 heures pour vous l'expliquer. Donc, c'est de voir le BIM finalement dans le détail. C'est une certification qui est faite par Building Smart, donc ceux qui font l'Open BIM, justement pour essayer d'uniformiser le niveau de connaissance du BIM, puisque quand vous parlez de BIM, vous avez un peu tout et n'importe quoi dans les réponses que vous allez avoir. Donc ça permettrait d'avoir un certain niveau pour l'industrie et c'est plutôt une bonne chose. Alors, je vais vite vous montrer quelque chose. Par exemple, quand on parle d'Open BIM, quand on parle de structurer son information, voilà à quoi ça sert. Ça va nous servir, en structurant notre information, de pratiquer sur un modèle comme celui-là. On va pouvoir ici déjà trier toute une partie des éléments qui seraient faux. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'on a structuré les informations d'une manière qui est correcte. La deuxième chose, c'est qu'on pourrait très bien ici au niveau des poteaux, comme on utilise de l'Open BIM, qui est une norme ISO, donc on a vraiment une structuration de données qui est normalisée, tout le monde va utiliser la même. Ça veut dire que les éléments, on s'attend à avoir certaines propriétés à l'intérieur des éléments qui, là, manque de ce point de vue-là, mais la façon de trier, la façon de voir finalement, de vérifier la structuration de modèles, elle est beaucoup plus facile en utilisant des modèles qui sont de cette manière structurés. Et puis le dernier en vitesse que je vais vous montrer, ici sur un bâtiment par exemple, on va avoir en fait un modèle BIM, c'est ça, on va avoir une composition de différents modèle qu'on va assembler afin de créer ce modèle de coordination qu'on va avoir ici. Et puis là, si je clique sur mon mur, eh bien, je vais avoir ici tout un tas d'attributs, d'éléments qui vont être ajoutés à quelque part, enrichir la géométrie. Et puis ça, c'est des éléments qu'on peut récupérer, qu'on peut traiter, qu'on peut analyser. Et là, on peut mettre, je vous dis, il n'y a pas de vraie limite à ce qu'on peut mettre dans un modèle BIM. Et tout ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, on pourrait très bien utiliser un modèle BIM pour véhiculer à quelque part ces informations. Voilà, pour moi, c'est terminé. La même chose que pour les autres intervenants, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. Si vous voulez aussi avoir cette présentation en PDF, vous pouvez me contacter. C'est très volontiers que je vous l'enverrai si jamais vous en avez besoin pour des présentations internes dans vos entreprises. Voilà, je cède la parole à Sergi pour la suite. Pardon, à Sébastien. Bonjour, merci à toute l'équipe d'Energissima pour l'invitation. Donc, je voudrais vous parler, comme on a dit, de l'intégration de l'Open BIM dans les bâtiments de Smart Living Lab. Donc, tous les deux sujets et objets ont été introduits par mes collègues précédemment. Donc, je vais vous parler de trois choses, en fait. On peut vous parler de la stratégie d'intégration dans les bâtiments. Après, plus ou moins de détails sur la mise en place du cahier des charges qu'on a fait. Et finalement, quelques tests avec des vraies maquettes qu'on a dû faire en parallèle. Donc, déjà, clarifier que le BIM a été intégré dans le projet d'une façon progressive.
Donc, on peut parler peut-être de trois phases. La première serait dans l'étape concours, le mandat d'études parallèles que Sergi a commenté, où on a donné un clair objectif pour l'utilisation de BIM au futur, mais on a demandé seulement un modèle 3D à les personnes qui ont participé au concours, et on ne pourrait parler pas d'un vrai modèle BIM à cette étape-là. Après, une fois qu'on a choisi les projets qui a gagné, on a créé un cahier des charges, un premier cahier des charges BIM pour l'étape projet, où on a demandé un modèle numérique par discipline, et on a ajouté quelques informations de base plutôt pour faire un test et nous préparer pour la prochaine étape, que c'est précisément le cahier des charges en étape d'appel d'offres. C'est le moment où on se trouve maintenant et c'est la description que j'essaye de faire. Comme on a dit, on a adopté une approche Open BIM. Donc, ça veut dire d'abord, on essaye de suivre les standards Building Smart et ces chapitres francophones Media Construct et Bâtir Digital en Suisse, accompagnés des normes SIA, donc la 2051, pour se mettre en norme. Et après, en pratique, ça veut dire essayer d'utiliser le format IFC, qui, très simplement dit, c'est un espèce de dictionnaire où on classifie tous les éléments de la construction selon son rôle, son fonction constructive, et ça nous structure les modèles d'une façon. Donc, on a suivi une stratégie double en parallèle. D'un côté, c'est la rédaction du cahier des charges en soi. Donc, c'est la partie 3, si vous voulez, de le diagramme que Patrick nous a montré, où on définit les besoins du côté client et maître d'ouvrage. Et après, on ajoute les informations nécessaires. Donc, maintenant, on attend de les entreprises totales qui vont répondre à l'appel d'offres un plan d'exécution BIM pour la mise en œuvre. Et de l'autre côté, on a créé nous-mêmes quelques modèles, quelques maquettes numériques pour essayer de tester les choses qu'on demande, et on peut aller en amont. Donc, pour le cahier des charges, tout commence pour définir l'objectif. Ça, c'est une partie très importante. Comme on a dit avant, le BIM, c'est une méthodologie qui est en train de se faire, de se former. On ne peut pas dire qu'on le fait déjà, mais on a arrivé à faire pas mal de choses. Mais quand même, il faut d'abord filtrer. Les BIM, c'est un promet de beaucoup de choses. Si on fait une maquette numérique, après, on peut l'exploiter de différentes façons. Mais la vérité, c'est que si on essaye de faire tout, à la fin, on termine par faire les rien. Donc, il a ces moments où on dit qu'est-ce qu'on veut faire avec les BIM. Et donc, là, j'ai voulu illustrer, par exemple, les propriétés prédéfinies par Building Smart, les formats IFC sont à droite. Donc, sont beaucoup. Et on essaye de limiter les objectifs pour dire, voilà, je vais choisir que ça. Donc, c'est un espèce, commencer un cahier des charges, c'est peut-être c'est un process soustractif. Donc après, ça c'était, on va dire, très simple. On a pris tous les objectifs du MEP, donc les cahiers des charges du concours, qu'est-ce qu'on voudrait de ce bâtiment, et on les a croisés avec les usages BIM standards proposés par Media Construct dans ce cas, et pour finalement les regrouper dans 4 objectifs. Donc, ces 4 objectifs, si je les mets dans le cycle de vie du bâtiment, c'est d'abord d'utiliser les BIM comme outil de communication. Donc, on voudrait que tous les acteurs autour du bâtiment pourraient discuter sur une maquette numérique en 3D et voir l'évolution du projet. Et par la suite, quand le projet sera construit, on veut aussi tous les visitants, les visiteurs qui arrivent au bâtiment, qu'ils puissent avoir une approximation au bâtiment en virtuel.
Après, si on continue, voilà, je saute sur un objectif qui n'est pas vraiment un objectif. On veut faire un suivi numérique du chantier. On n'a pas besoin de quelques exigences pour ça sur la maquette. C'est pour ça qu'on n'a pas mis ça comme objectif. Et après, on a les autres trois, c'est la gestion et la maintenance du bâtiment, donc la facility management. Puis, comme Sergi a décrit, ça va être un bâtiment vivant. On veut le déconstruire et le reconstruire. Donc, c'est un bâtiment assez spécial. On veut suivre tout ce changement. Aussi, prendre toutes les données des capteurs qui font analyse la performance du bâtiment et les remettre à la maquette numérique. Donc, ça va être une espèce d'outil pour les chercheurs. Et finalement, c'est un inventaire pour les cycles de vie. Donc, une fois définis les objectifs, on a passé à structurer la maquette. Donc, il faut un peu dire, voilà, mes maquettes, quels éléments va avoir. Donc, encore une fois, on a suivi la structure IFC. Donc, ça nous a permis de structurer la maquette pour dire, on a besoin de ces éléments à minima dans les modèles qu'on demande pour toutes les disciplines. Et par la suite, définir les niveaux de détails géométriques de ces éléments. Quelques éléments, on n'a pas vraiment besoin d'un détail, c'est juste d'exister virtuellement, comme par exemple les capteurs. Mais quelques autres, comme les éléments structurels en béton, par exemple pour l'objectif d'analyse des cycles de vie, on voudrait avoir information sur l'armature. Donc là, on a demandé un LOD, comme on appelle les niveaux de détail géométriques, 400. Par la suite, on veut les propriétés. Donc, les informations attachées à ces éléments géométriques. Donc, on parle de l'information alphanumérique. Et là, ça c'est un travail assez costaud. C'est un peu comme dans les projets, si on fait un calcul de budget, on peut le faire par mètre carré. On calcule vite et ça, c'est plus ou moins bien. Donc, de la même façon, on peut dire c'est les informations standards. Mais dès le moment qu'on rentre à définir les choses, il faut tout de suite sauter en analytique et donc voir propriété par propriété. Donc, on s'est servi de nos experts au Smart Living Lab par objectif. Ils sont passés par la liste et ils sont cliqués. L'intention, c'était de réduire les propriétés demandées. Après, une deuxième étape, les informations alphanumériques, c'est les classifications. Patrick nous a parlé de ça aussi. Et si on affecte les éléments de la maquette avec un système de classification comme les SSBAT ou comme le KBOB, c'est lequel on a demandé, on a la possibilité de restructurer toute la maquette par rapport à ces standards. Et finalement, la troisième étape phase de la transformation alphanumérique, c'est qu'on veut peut-être faire un travail à double, mais on veut fournir une plateforme où les fournisseurs et les constructeurs vont saisir les données spécifiques de ces produits. Comme ça, on aura une base de données où toute la caractéristique des produits est numérique. Finalement, il a un aspect qui ressemble évident, mais que c'est pas du tout, et c'est très important, c'est la géolocalisation. Donc, on a défini un point commun pour tous les modèles de disciplines, mais aussi pour tous les bâtiments du site. Et on veut que cet élément soit bien signalé avec un élément qui existe dans la maquette, donc un élément géométrique, une pyramide inversée. Et pour finir, donc on a à côté de ça, comme j'ai dit, les BIM, c'est une espèce d'hypothèse qui est en train de se faire. Et pour chaque chose qu'on demande, pour chaque idée qu'on a, il faut toujours tester et voir jusqu'à où on a des soucis. Donc on a voulu nous anticiper quelques problèmes. On a modélisé quelques maquettes des bâtiments existants aussi au campus de l'EPFL et aussi utiliser la maquette de la première phase
du bâtiment, donc de la phase projet, pour faire des expériences. Je peux vous décrire juste vite quelques-uns. Donc, on a déjà vérifié que les propriétés IFC qu'on a demandées, ils peuvent sortir du logiciel utilisé par les mandataires. Ce n'est pas toujours évident. Et aussi, ils rentrent bien dans des logiciels de visualisation ou gestion IFC. Donc, ici, c'est les deux exemples des propriétés prédéfinies. Et ici aussi, des propriétés personnalisées, parce que il a les propriétés données par l'IFC sont beaucoup, mais quand même, parfois, on ne trouve pas quelques propriétés qu'on a besoin. Donc, on a demandé quelques propriétés à nous, confectionnées par nous. Donc, on a vérifié qu'on peut les créer, l'exporter et les récupérer bien. Et on a fait des tests sur plusieurs logiciels pour plusieurs objectifs. Ici, je vous montre juste une expérience sur un logiciel de facility management où on voit qu'on peut naviguer par l'espace, se retrouver dans la 2D aussi et vérifier les propriétés des éléments. Et après, il a d'autres choses, mais je ne voudrais pas mettre un détail sur ça. Je pense que c'est tout de mon côté. Comme mes collègues précédents, si vous avez besoin de questions, de nous contacter, on est toujours volontiers. Merci. Parfait, merci beaucoup pour ces deux dernières présentations. Sur la partie objet BIM, maintenant, tout ce qui est développement de ce projet Smart Living Lab, c'est vraiment un projet pilote, très innovant en termes de concept et accompagnement. Pour vous, les défis de mettre ça en place à une grande échelle, ils sont où après? Parce que là, on est vraiment sur une phase vraiment étude, encore recherche. Mm-hmm. Après, les défis pour mettre ça en place à plus grande échelle, vous les voyez où? Quand vous dites grande échelle, c'est tout le monde qui fait donc, les BIM généraliser ou... l'utilisation du BIM et pouvoir appliquer ça. Oui. Je pense que comme chaque changement technologique, ça va se faire pas à pas. Donc, comme toujours, il y a quelques gens à l'avant-garde qui vont se mettre au fond et ça va donner vie à un public plus gros de se mettre. Aujourd'hui, on voit que on n'est même pas dans les premiers pas. mais je pense que comme dans toute révolution technologique, une fois ça passe, ça va monter vite. Ouais. Oui, mais on attend. La vérité, c'est que c'est pas seulement... On va dire, dans les BIM, peut-être, il a trois composants. Il a une première, que c'est la technologie qui appuie. Il a un deuxième, que c'est l'éducation, la formation des gens. Et il a un troisième, que c'est les entreprises qui poussent et qui aident à ça. Et il faut dire que dans tous les trois, on est plus ou moins en arrière. Mais il faut dire que les logiciels et la technologie n'est pas au point. Et ça, c'est un des soucis. On nous vend l'idée que c'est prêt et que c'est les gens qui n'utilisent pas, mais c'est aussi la performance des outils qui manque. D'accord, encore beaucoup de développement à faire pour arriver vraiment à quelque chose qui soit applicable. Oui, oui. Et d'où l'intérêt de l'Open BIM et les formats ouverts. C'est sûr. Parfait, merci en tout cas encore pour la présentation. Merci à vous. Merci à tous les intervenants. On va évidemment tous les retrouver dans quelques instants autour de cette table ronde. On aura juste besoin de quelques minutes pour réorganiser le plateau. Et puis, on aura toute une discussion, on reprendra des questions évidemment qui sont arrivées d'ici là. N'hésitez pas à continuer à m'envoyer vos questions. On va les reprendre, essayer de faire une synthèse un peu de tout ça. Et puis, conclure après à l'heure prévue vers 3h30. Alors, n'hésitez pas à écrire et puis on vous retrouve dans quelques minutes.